Salut à tous, c'est Azerty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Parody 7. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 26 décembre, donc un joyeux Noël en retard. Si vous la voyez, ces jours-ci, et bonne fête de Réveillon, de Nouvel An, etc. Si vous êtes en train de fêter ça de votre côté. Nous, en tout cas, on est reparti. On était arrivé à Juron. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré une nouvelle vidéo. Il va falloir que je me remette les idées en place. Mais donc, on était déguisé en soldat Chiara pour participer au défilé. Du président Typhus sur son nouveau four mobile, voilà. Bon, allez. Que diable, il n'y a plus personne. Ils auraient osé ne pas m'attendre. Vous vous rendez compte, moi, le capitaine Eastman, oublié. Capitaine, ils sont dans la rue parallèle. Bien, on va pouvoir se venger. Par ici, les troufignoles. Allons voir de l'autre côté. Mais je crois qu'on peut pas. Non. Hé, hey, coquin, ne m'énerve pas davantage. Bon, d'accord. Allez, les clones d'abord. Oui, d'accord. Bonjour, monsieur le chien. Bon, il va lui dire bonjour tout à l'heure. Je dois y aller en premier. J'ai le trac. Je crois que je vais pas pouvoir faire le guignol. Je compte sur toi pour rattraper le tir, le bleu. Maintenant, écoute, cette parade est retransmise en direct dans le monde entier sur TV Chiara. Le producteur m'a soudoyé pour mettre un peu d'ambiance. Ne fiche pas tout en l'air. Bon, à mon signal, fonce en plein dans le rang. Prends une place côté caméra en courant et ne fais pas comme les autres. Quoi qu'il arrive, essaye de t'introduire par l'avant. Bon. Allez, à contre-pied. Maintenant. Et hop là. Non, ça marche pas. Oui. Eh, c'est parfait, continue comme ça. Ah bon, très bien. Donc, si je comprends bien, il faut faire baisser le score d'audience. Maintenant, bon, on va refaire la même chose. C'est parfait, continue comme ça. Maintenant, par ici, coucou, bonjour. Ah. Bon, il n'aime pas non plus. Allez, au bout d'un moment, il va quand même falloir se mettre sur la bonne rangée. Voilà, pour le nouveau four, levé une fois. Coucou, au revoir, bonjour, au revoir. Mais que faisait ce soldat? Comment tu trouvais ça? Absolument ridicule, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est aussi mon avis qu'on donne une belle récompense à ce soldat. Reçu 5000 villes, youhou! Comme quoi, des fois, faire le rigolo, ça paye. Ouf, juste à temps. Oups, le président Typhus. Bon, écoutons-les sans se faire repérer. Formation de la statue. Où en est le vaisseau de guerre?
Les mitraillettes ne sont pas encore opérationnelles. Ça devrait l'être d'ici 3 jours, cha cha cha. Et le Jessica de la force aérienne? Cha cha cha. Tes chats m'énervent, Schrödinger. Mon père s'en moquait, mais moi je ne le tolérerai pas. Cha. Le goûter est-il prêt? Oui, monsieur, nous le préparons en ce moment. Aïe. Quel désastre. Schrödinger vous a repéré. Comment a-t-il fait pour déjouer notre formation de la statue? J'ai peut-être bougé un peu. Ah, c'est malin, faut que tu fasses plus attention. Oui, on dit que Zéphicrote apparaît et tue parfois les soldats qu'il croise. D'où l'utilité de cette technique. Attention, une araignée! Ah! Hey, toi, tu n'as pas peur des araignées? Seulement celles dans le plafond. Ça ne veut rien dire. Pas de pause pour toi. Suis-moi, coloquinte. Voilà la suite du programme. Tes ordres sont d'amuser le président Typhus avant son départ au port. Il va falloir être imaginatif cette fois. Je suis là, capitaine Eastman. Moi aussi. Très bien. Alignez-vous et montrez-moi que vous n'êtes pas des moutons. Le mot d'ordre du jour est imagination. Ne l'oubliez pas. Prêt? Spectacle militaire de Juron, c'est parti. Pas ok. Pas menu. Oui. Pas changé. Oui. Pas annulé. Oui. Pas gauche, pas à gauche, pas à gauche. Oui. Pas droite, pas droite. Oui. Bien, à ton tour maintenant. Pas ok. Pas menu. Pas changé. Pas annulé. Pas gauche. Pas à gauche. Oui. Pas droite. Oui. Alors, c'est compris? Oui, oui, c'est bon. Très bien, et pas d'erreur pendant le vrai spectacle. Capitaine Eastman, quelle est la pause spéciale à éviter? Hein? Je n'ai pas encore décidé. Hé, Tartuffe, je te laisse décider. Montre-nous ce que tu sais faire de pire. Voyons voir. Ce que je sais faire de pire, c'est... Bon. Hein? Très bien, ce sera donc la spéciale du jour. Exercez-vous. Oui, capitaine Eastman. Pour terminer, n'oubliez pas que... Ah, ah, une araignée. Ah. Ils ont des problèmes d'arachnophobie ici. Bon, c'est pas grave. Allons sauvegarder. Ah, et on va pouvoir faire le tour des magasins. Voilà, avant d'aller faire cette nouvelle parade. Oh tiens, mais c'est rude. Allons lui dire bonjour. Youhou. Alors, les marchands sont-ils aussi polis que les soldats?
Hé, hey, gaillard, tu veux des armes? Eh ben... Je sais pas qui on va prendre par la suite. J'achèterai bien... Ouais, bon, les armes, c'est finalement pas encore hyper important pour l'instant. Et j'ai pas énormément de sous non plus. Je vais les garder pour l'instant. On dirait qu'il se passe quelque chose dehors, mais entre cette musique et cet alcool, je préfère me saouler ici. Eh bien, vous formez une belle bande de logarithmes dans le domaine. Oui, certes. Bonjour. Toi aussi? Alors retire ton pantalon et amène-toi. C'est la règle pour les nouveaux. Non, ça va. Merci, c'est gentil. Bienvenue au baraquet, tchouk tchouk nougat. Le baraquet, oui. Effectivement, nous avons beaucoup de muscles. Nous sommes donc admis au baraquet. Ah ah, ah ah, elle est bonne. Bref. Allez, globicéphale, approche. Oh, un marchand. De matériel, je crois. Bienvenue, guignol. Je commençais à m'inquiéter. Vois-tu, ahuri, les ventes sont pourries aujourd'hui. Alors, c'est les... Bon, pas la peine. J'en ai déjà, mais donc aussi. Ranimer, des fois, c'est pas mal. Mais bon, avec les queues de phénix, on n'a pas trop besoin ici, pour l'instant, en tout cas. Ouais, céder des fois, ça peut être utile, mais enfin... bon... Pas la peine. C'est pas indispensable. Alors, est-ce que je peux aller l'autre? Moi, il y a un peu de près partout. Oh, amarin d'eau douce, bienvenue. Au niveau des objets, quelques... Allez, super potiron, voilà, 10, ça ira bien. Collier, déco pour silence, ouais, ça peut être utile. Allez, hop là, on remet à 5. Une tortuguette, ouais, pas la peine pour l'instant. On enlève 2, ça suffira. Oh, bonjour le chien. Oh non, comment ont-ils pu me faire ça? Personne ne m'a réveillé, fichtre! Et je ne retrouve même plus l'uniforme que j'avais laissé dans mon casier, parbleu! Ah, je sais qu'il a pris. Tu crois tout savoir, paysan? Très bien, entre. Oh oui, la salle des experts, où il ne nous faut que cette matière. Talent ému, que disent les autres. Bienvenue dans la version 2.0 du hall des débutants. Tes explications de l'autre fois étaient si compliquées que je n'ai pas survécu dans ce monde hostile. Du coup, si tu pouvais recommencer, ça m'aiderait. Bah écoute, c'est gentil, mais on n'a peut-être pas que ça à faire. Hein. On va y se rincer une autre fois. Monsieur, bonjour. Et l'expert, parle-moi des limites, s'il te plaît. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Les limites finies. Une fonction f de x admet une limite finie L pour x tendant vers l'infini si les ordonnées des images de x se rapprochent de plus en plus de... Quoi? Quoi? C'est pas ça dont tu voulais parler? Ah, tu voulais dire les limites en combat des membres de ton équipe. Bon, fallait le dire plus tôt. Ces limites-là, tu peux les apprendre soit en utilisant plusieurs fois les limites précédentes, soit en tuant un certain nombre d'ennemis. Ce nombre est inconnu, mais fini. Quand tu apprends une limite d'un niveau supérieur, n'oublie pas de configurer ce niveau dans le menu pour l'activer en combat. Et ensuite, bah, on peut parler des limites infinies, si tu veux. Une fonction f de x admet une limite infinie pour x tendant vers... Oui, je sais, j'aime les maths. Et alors? Bon, c'est toi qui parles de limite infinie au lieu de limite ultime.
Bref, celles-là ne peuvent pas être apprises par les méthodes habituelles, c'est tout ce que je sais. Bon, j'ai mal à la tête. Et lui, que me veut-il ? Eh, monsieur, je sais tout, et si tu me parlais de matéria pour te détendre un peu ? Ouais, ça je crois que c'est pas nécessaire, il y a beaucoup de choses à dire, et bon, je préfère garder ça pour moi. Les intéressés iront voir les détails. Allons à l'étage. Il y a quelques objets récupérés. Oh ! Une poupée qui fait non. D'usage. Deux oméga 3. Très bien. Je crois que ça améliore la chance, les oméga 3. Une protéine. Très bien. Oui, je n'irai pas à la parade, blaireau. Devenir soldat de première classe demande un travail intensif. D'accord. Du fer, très bien. Encore un chien. Décidément. Bon, on en a fini ici. Allons voir à côté. CD déjà fait. On peut avancer. Ah, bonjour monsieur. Si tu dois participer à la chorégraphie de départ du président Typhus, le rassemblement a lieu au port. Mais il vaudrait mieux que tu te dépêches. Bon, ne traînons pas. Ah. Ici, je crois qu'on peut voir. Non ? Pas de soldat ? Oh. Oh, tiens. Un marin. Ou un mécanicien ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit ? L'ascenseur est actuellement hors service. Je vais devoir ajouter l'inscription « Ne pas jouer avec sa mitraillette à l'intérieur ». Ça pourrait être utile. Et lui, il dit la même chose ? Je crois pas, je suis pas sûr. Voyons voir. Hé, hey, Cyclotron, si tu cherches le port de Juron, continue dans cette direction. Merci. Ah, et encore maintenant, c'est quoi ? Un hôtel ici ? Encore un magasin ? Ah non, c'est le bar des trucs. Mes collègues dépriment un peu car ici, tous les bâtiments se ressemblent. Non, soldat, c'est réservé aux habitués. Si la sécurité du bâtiment est optimale, c'est parce que nous sommes là. Merci, renard. Et Tseng, je crois qu'on peut pas lui parler à lui. C'est... Ouais. Il est trop loin. Non, tant pis. Tseng, je vais lire. Ah, voilà l'hôtel, on viendra. Le motel Juron Fluffort. Intéressant. Une petite sieste pendant le service ? Non, pas maintenant. Reviens quand tu veux. On va d'abord aller fouiller les différentes pièces du bâtiment. Oh, je t'en prie, entre ! Bienvenue ! Achète tout ce que tu veux. Hihi, ici on vous sert avec le sourire. Il y a beaucoup de gens peu polis à Juron. Tu l'as dit. Sans ces filles bien élevées, je céderai moi aussi à la sauvagerie. Mais ce qui me gêne, c'est que les filles sont vraiment irréprochables. Il nous manque une matière à terre, mais bon, personnellement, j'en ai jamais eu besoin. Donc, on ne va pas la prendre. Merci beaucoup. De rien. Je faisais autrefois partie du soldat, non d'une pipe.
mais pour être honnête, je préfère insulter les babouins comme vous. Babouin toi-même. Ah, on peut acheter ici un bandeau, ça je vais en prendre un. Oui, j'ai pas assez pour deux, mais hein, ça suffira. Ça protège de sommeil et ce sera utile pour le prochain boss. Bon, je vais aller voir avant de sauvegarder ce qu'il y a à côté. Hé, hey, mais tu n'es pas en service ? Quoi, moi ? J'inspecte la qualité des lits, voilà. Qualité des sofas. Je vois ça. Du carbone, très bien. Ah, et le dirigeant là. Un cadre chien, ah ouais. C'est absolument scandaleux. Il m'avait pourtant dit qu'en déplacement, je séjournerais dans des hôtels 50 étoiles. Et regardez-moi ça. Serais-je trop naïf? Oh tiens, encore une poupée qui fait non. Youhou. Je crois. Bienvenue, Guignol. J'ai pas grand chose en stock, tocard. Mais je suis pas un cornichon, moi. Alors je te laisse quand même regarder. Ouais, des armes pas très chères, mais qui tapent pas forcément très fort. Pas besoin. Bon, très bien, allons sauvegarder. Au motel Juron Fluffort. Tiens, dans les objets. Carbone, poupée qui fait non. Ah oui, c'est un marin. Un marin Fiara, l'échelle 1/35. Allez. Sur ce, c'est reparti. Allons vers le port où on va devoir faire preuve d'originalité, d'imagination. Si je me rappelle bien ce que le capitaine Eastman nous a recommandé. Bien, c'est l'heure. Tous en ligne. Le président Typhus est arrivé. À nous de jouer, de la symétrie, de l'originalité. Réception militaire New Age, c'est parti. Pas à gauche, je vais à droite. Pas à droite, je fais OK. Pas OK, je fais annulé. Pas à gauche, menu. Pas menu, je fais OK. Pas annulé, je fais menu. Pas menu, je vais à droite. Et je vais encore à droite. Et je vais encore à droite. Et je vais encore à droite. Et à gauche. Et à droite. Et au menu. Et annulé. Et à gauche. Et à droite. Ok. Bon, c'est pas mal, je crois. Pas ok. Pas à gauche. Pas à gauche. Bon, je suis à 200 déjà. Pas ok. Tiens, si je fais OK, pas changé. Non, j'ai encore fait OK. Bon, je vais m'arrêter là parce que d'habitude, si on arrive passé 250, je crois, après on retombe à zéro. Avec 210, là, je crois que c'est pas mal déjà. Donc, je fais plus rien comme ça, je gagne plus de points. Et pas de spécial. Bon, rangeons-nous, ou alors on continue à faire n'importe quoi. Tiens, qu'est-ce qu'il a dit, Stifus? J'ai plus,
J'ai pas suivi du coup. En tout cas, il a l'air content. Il n'y a qu'à voir son regard incisif. Cha-cha-cha, voici un bonus spécial pour toi. Un témoignage de la bonne humeur du président. Ne l'oublie pas. Dévoreuse. Oh, une nouvelle arme. Youhou. Quand l'annonce du nouveau four se sera répandue, Claude et compagnie devraient se montrer eux aussi. Dès que nous les aurons trouvés, nous les écraserons. On ne peut pas les laisser cuire leur viande sans qu'ils payent pour ça. Laissez-moi donc leur faire payer. Cha cha cha. Je croyais t'avoir demandé d'arrêter de rire aussi bêtement. Cha. Cha cha cha. Un petit verre pour terminer la journée. C'est tendu. Oui, ma famille m'attend. Mais une offre pareille, ça ne se refuse pas. Ah, une araignée. Ah. Je te laisse t'en charger. Bonne chance, soldat. Bon, est-ce que je monte dans le bateau ou est-ce que je repars? Et dépêche-toi, tu es le dernier. Ah, c'est Rougeol. Coucou. Comment es-tu arrivé là? Willy m'a amené ici, tout simplement. Je pense que Sylla t'en voulait plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Ainsi habillé en chien rat, l'océan on traversera. Je me sens poète. Bon, allez quoi, le bateau? S'il vous plaît, le bateau. Ah, merci. Quel beau bateau. Je crois qu'il a été refait aussi celui-là. Ce modèle de bateau, je suis pas sûr. Il a l'air mieux modélisé, lui aussi. Bon, nous y voilà. Nous sommes dans la cale. Ouvrons les coffres. Une théière, très bien. Sont ceux des marins de Juderon. Ah non, ils chantent ici, c'est cool ça. On naviguait donc vers le soleil jusqu'à trouver la verte mer et on vivait en dessous des vagues dans notre sous-marin jaune. Nous vivons donc tous dans un sous-marin jaune, un sous-marin jaune, un sous-marin jaune. Urk, c'est pour ça que je déteste les bateaux. Dis Claude, tu aurais un tranquillisant? Tiens, prends celui-ci. Merci. Oh, c'est amer. Hein? Où sont les autres? Je sais pas. Ils sont dans le bateau. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Hey, c'est moi, Aérisson. Dis Claude, as-tu vu le vaisseau à Juron? L'aéronef, oui, je ne pensais pas qu'il serait si grand. C'était vraiment impressionnant. Hé, tu crois que je pourrais y monter? Non, tu mourras avant. Qui sait si tu ne mourras pas avant? Arrête de plaisanter. Tant que je suis vivante, ça n'arrivera jamais. Le sous-marin jaune. Il
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé ohé. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils marcheraient. Tiens, je vérifie un truc. Marcheraient, oui, c'est ça. Très bien. Capitaine abandonné. Bah alors, tu ne me reconnais pas? C'est moi, Tiffes. Tu vas l'air surpris. Mais tu sais, je déteste cet uniforme. Si on avait le temps, je le ferais ajuster. Il est un peu serré au niveau de la poitrine. Référence à... À Gimli de Seigneur des Anneaux, évidemment. Bon, qu'en penses-tu, Claude? On est d'accord. À vos ordres, je continue à monter la garde. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo, Santiano. Si Dieu veut, toujours droit devant. Ah, et là on a le choix. J'ai besoin d'un moment de repos. Ou alors j'aimerais bien acheter de l'eau. Ou encore nous irons jusqu'au canyon Cosmo. J'aimerais bien acheter de l'eau. Je n'ai pas ça, mais regarde mon stock. Bon, ça n'a pas grand chose. Donc on peut se soigner aussi, mais tout va bien. Et si on lui dit. Nous irons jusqu'au canyon Cosmo. Ouais, ça... Ok, c'est tout. C'est la fin de la chanson, très bien. Mon ami le poisson fait de la natation, pourtant il n'a pas pris de leçon. Je crois que ça vient du club Dorothée, il me semble. Mais je ne suis pas assez connaisseur pour me rappeler de l'air, c'est pas grave. Sous le sunlight des tropiques, à Villers-sur-Mer, pas de panique. Prends-moi la main, viens danser. Si tu veux pas, je vais bronzer. C'est moi, Rougeole. Je ne tiens pas très bien en équilibre, mais ça devrait passer inaperçu. Je n'ai qu'à porter cet uniforme pour avoir l'air d'un parfait humain, pas vrai? Oui, c'est sûr. Je vais pas sauvegarder tout de suite. On va retourner voir Aérisson. Dis, Claude, tu n'aurais pas vu Mahouette? J'espère qu'il ne parle pas trop. On va vite le repérer, sinon. Oh, comme s'il avait un accent un peu spécial. Et là c'est bon, le soldat est parti, on va pouvoir aller retrouver Mahouette. Bonjour monsieur, je suis un Mahouin tout à fait ordinaire. Et t'as vu Claude, mon déguisement est parfait. Typhus et Schrödinger, leur nouveau four mobile qu'on a vu là à Juan, c'est une très bonne idée. Je frappe au carreau pour les féliciter, mais visiblement ils ne m'entendent pas. Ouh, héros, ouh. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que ce sera plus fiable que leurs anciens modèles. Sinon, ils vont m'entendre. Oyez, oyez, mesdames et messieurs, et vous aussi, mesdemoiselles, maîtres, messeigneurs, ducs et duchesses, monsieur le président. La répétition générale va avoir lieu sous peu, dans laquelle vous y êtes tous cordialement invités. Venez nombreux. C'est de quoi ça? Drôle d'annonce, tu ne trouves pas? Allons retrouver les autres, Claude. C'est
C'était quoi ça? Vous avez entendu? Une répétition? On est tous là, non? Attendez un peu, une répétition, ça vient bien avant un spectacle. C'est Ficrotte. Son défilé, ici? Qu'est-ce que j'en sais, bordel? Essayons de le découvrir. Oh oui, je veux le rencontrer. Pas moi. De toute façon, je n'aime pas ce Ficrotte. Et en plus... Ouais, eh ben... Pourtant, j'ai bien envie de me bouffer dans mon équipe pour lui faire monter un peu ses limites. Mais bon... Bon, faut dire qu'au niveau... Au niveau des niveaux, justement, ok, il se débrouille bien, mais il faudrait peut-être faire monter les autres d'abord, du coup. Par exemple... Bon, Hérisson. Ouais, elle est cool. Barouette, je l'aime beaucoup. Ouais, je pourrais même bouffer à la place. Allez. On va voir ce que ça donne. Zéphicrotte, très bien, allons-y. Bon, on va aller au point de sauvegarde. Pour former son équipe. Échanger les matérias, mettre Bouffy en dernière ligne. Ah, on a une dévoreuse. Trois emplacements, double. Très bien, qu'est-ce que je vais... Mettre longue portée, je le mettrai ailleurs. Voyons. Si je vais le porter à la place de glace. Bah oui, j'avais déjà une glace ici. Ok, donc je peux laisser foudre. Éléments, j'en aurai plus besoin finalement. Foudre, feu, glace. Ouais, donc, tiens. Glace, feu, éléments, et tous trouvés. Ok, très bien. J'ai plus besoin d'éléments. Donc, je vais pouvoir prendre la dévoreuse. Voilà, très bien. Bouffy, est-ce que j'ai de nouvelles armures pour elle? Ouais, parce que les nutriles, pourquoi pas. Je vais mettre à Claude le bandeau pour protéger de sommeil. À Bouffy, la force, et à Hérisson, le talisman, très bien. Alors, je vais tenir par le douche, Claude et Mathieu, je vais pouvoir mettre, je vais mettre Shiva sur Claude, ça fera une grosse attaque. Éléments avec glace sur Bouffy, très bien. Note que je peux aussi aller chercher celle qui était avant sur Rougeol, voilà. Avec talent ennemi, évidemment. De quoi ai-je besoin vraiment? Bon, talent ennemi. Sniffer, c'est toujours utile. Donc, pas l'empoisonner, mais ça me ferait de la magie en plus. Mais doc, je sais plus. Mais bon, élément, c'est pas très très utile ici. Normalement, je vais la remettre de l'autre côté. Avec feu, plus d'emplacement. Non. Ok. Voilà. Et moi, finalement. Ouais, je pourrais même... Je pourrais même mettre un autre talent... Ah bah non, j'ai rien encore, non, talent ennemi ici. Ok, ça ira comme ça. Enregistrer... Souvenir numéro 1... Sur le cargo... Ok, c'est parti, allons voir... Si c'est bien Zéphicrotte là-bas. Que nous dit Barouette, je vais le bouffer tout cru. Ouais, on peut encore changer les membres de son équipe si on veut. Rougeol qui nous dit, ses vêtements sont trop bleus, j'aime pas. Est-ce qu'on peut échanger? Non,
Non, non, reste ici, c'est très bien. Ah, et maintenant que Bouffine est dans mon équipe, je vais pouvoir utiliser, récupérer la matière et tout, voilà. Oh, si je me souviens bien, il y a une arme pour elle dans la pièce suivante du cargo. On va aller la récupérer. Et les soldats, bon, bah, pour l'instant, pas la peine de s'en soucier. Gardons nos forces pour le prochain combat. Éventail. Sur Goofy. Ouais. Oh, une arme à augmentation double, c'est bien ça. Bon, après, sniffer talent ennemi, ça n'a pas trop besoin d'être en double. En augmentation double, je vais changer du coup avec Médoc et glace. Médoc, tiens. Ouais. Médoc, c'est utile, mais. Moi, je préférerais même monter le. Matériel élément finalement. Je dois avoir quelques antidotes si jamais on se fait empoisonner. Bon allez, on va prendre un peu d'expérience. Allez, un petit chocobo, un petit Mathieu, boum, ça devrait suffire, je pense. Parfait. Bon, alors, on est à 40 minutes de vidéo, c'est bien. On va pouvoir continuer tranquillement. Est-ce qu'on a encore des grenades? Que je les mette un peu plus haut aussi. Ouais, une grenade triée soi-même. À la place des légumes Gisèle. Ouais, je vais mettre ça. Que je mets à la place de des grenades. Très bien. Zéphigrotte. Si c'est un tour de magie, c'est flippant quand même. Après une longue préparation, l'heure est venue. Claude, là! Oui, bah ça va, je le vois bien. Qui es-tu? Moi, c'est Claude, enchanté. Claude? Hé, hey, Zéphigrotte, déconne pas, tu ne me reconnais pas. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Trop de questions. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as bu un truc ou? Mais bonjour, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Nouveau pas du bien, sniffez. Comme Mathieu, voilà, pour commencer. Glace à l'eau. C'est un peu froid dehors pour prendre des glaces, mais bon.
Casanova. Ah, c'est son bras. D'accord. Bon, il a à peu près 3000 PV. On va se guérir avec Aérisson au prochain tour. En attendant, moi, je vais faire... je vais lancer des grenades, n'est-ce pas? Eh ben, elle rigole pas. Bon, ça active nos limites, c'est pas mal. Un coup de brumisateur pour se soigner. On enchaîne avec Goofy et son couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. Yaha. Une grenade, très bien. Ça chauffe des lasers, on évite, c'est très bien. Encore, ouais, ça va, c'est pas trop mal. Ah, la limite de Claude, on saute, ça sera très bien aussi. Alors, avec Aérisson, une grenade. Burps. Elle aussi est là. Le mal des transports. Stop. Tiens, il me semblait que c'était sommeil. Alors, bon ben on va continuer avec sa chauffe et les grenades. Tiens, si je mets ça, oula, je vais devoir me soigner. Je vais voir combien il lui reste de PV. On a déjà bien dû l'entamer normalement. 600, ouais. Excellent. Ça va aller vite. À la suite, félicitations. Mais ça ne vous suffira pas à passer en finale. Bon, vite fait, bien fait. Un peu d'expérience, des giles, une carte blanche, très bien. Cette horrible créature, c'était... Casanova, le bras de Casanova. Ouh, un truc pareil, ça ne se mange pas, n'est-ce pas? En tout cas, c'était bien Zéphicrotte. L'heure est venue, je crois que c'est ce qu'il a dit. L'heure est venue. Je ne comprends rien à rien. Les Claude a résumé vite avant que je ne vomisse. Je vais essayer, mais ne m'appelez plus Père Castor pour autant. Zéphicrotte est parti en quête de la Grande Vallée afin de devenir top modèle. Ça, c'était il y a 5 ans.
Ensuite, il est revenu et a tué le président chien rat. On ne sait pas pourquoi, mais c'était spectaculaire. Et là, nous venons tous de voir Zéphirote. Il a fait des tours de passe-passe et s'est envolé. Je commence à comprendre. Il a probablement l'intention de préparer un one-man show avec sa mère, Casanova. C'est à peu près tout. Matelot, nous arriverons à Villers-sur-Mer dans 5 minutes. Préparez-vous à l'accostage. Enfin arrivé, tous ces morts et le mal de mer en plus, j'en pouvais plus. Et moi je récupère la matéria, il frit. Ah, on va pouvoir se faire des bonnes grillades. Zéphirote est en vie. La grande vallée existe-t-elle vraiment? Suspense. La suite au prochain épisode. Non, je déconne. On va quand même aller visiter Villers-sur-Mer tant qu'on y est. Hein. Le temps de faire le tour de la ville, d'acheter un ou deux trucs et puis d'aller sauvegarder. Baudel, c'est ça leur station balnéaire? Avec ce vent, il fait frisquer ici. Bon, écoutez-moi tous, j'ai faim, alors on fait une pause. Ok, Bawet, moi je vais faire le tour des boutiques locales. Et toi, Tifès, tu viens avec moi? Non, merci, je vais plutôt chercher une salle de sport. Et toi, Claude? Oh, laissez-moi seul. Je vais en profiter pour prendre l'air, ce sera vivifiant. Très bien, je vais en profiter pour acheter de la crème solaire. Dites, pourrait-on se dépêcher? J'ai hâte d'aller dire bonjour à toutes ces nouvelles personnes. Ouais, et moi je veux trouver des gaufres. Ok, allez là où le vent vous mène, mais ne vous envolez pas trop. Avec mon poids, ça ne risque rien. Chic, je vais aller draguer les minettes. Tu crois qu'on pourrait aller se baigner? Des passagers clandestins, hein? Pas de panique, j'ai l'habitude. Ces temps-ci, ils arrivent par centaines, je ne sais pas trop pourquoi. Ne viens pas traîner dans mes pattes, c'est la première visite officielle de Typhus depuis qu'il est président. Apparemment, il est ici pour se détendre. Je suis vert de jalousie. Lui, il est riche par hérédité, et moi, bah, j'ai hérité des dettes de mes parents. Je compatis. J'abandonne. Le chef ne veut pas descendre. Il semble atteint de climacophobie. C'est dingue. Est-ce qu'on peut lui parler au chef? Non. Il est trop haut, mais il nous fait coucou, c'est bien. Bonjour madame. Des matelots qui galèrent comme vous ne peuvent pas comprendre ce que l'on ressent quand on est posé sur l'aile d'un Cessna et que l'on scrute à l'infini le ciel et l'océan bleu marine. C'est le vertige. Et vous, monsieur, vous avez quelque chose à dire? Et il paraît que l'état-major de la Chien-Rat va débarquer. Et je voudrais bien les emparter. Ah ben, bonne chance. Ah, et voilà. Enfin, là, un hélico qui va sans doute attendre Typhus. Et Typhus qui le
suis, ok. Eh bien, il y a toujours autant de vent ici. C'est toujours comme ça ici. Tu as beaucoup de courage. Cha-cha-cha. Allez, ne déprime pas. Oui, chef. Il paraît que Zéphicrote était à bord. Oui. Et j'ai entendu dire que c'était aussi le cas de Claude et des autres. Oui. Tu sais dire autre chose? Oui. Ben voyons, tu penses qu'un oui peut tout excuser? Et pour le départ, monsieur? Si tu réponds oui, je te fais rétrograder. Bon, Schrödinger, je m'en vais au gros suceur profiter de mon héritage. Tu n'as qu'à chasser les souris pendant mon absence. Ah, le gros suceur, c'est un endroit où on se fait pomper son fric. Je crois qu'on le visitera plus tard dans le jeu. Bon, nous voici à Villers-sur-Mer. Tiens, bonjour monsieur. Je veux parler à l'école. Hein? Oh bonjour, je m'appelle Xavier, je suis professeur. Prends le temps de visiter. Jolie baraque. À propos, tu envisages sérieusement d'acheter? Comment ça? Que vends-tu au juste? Mais tu le sais très bien, je parle de cette maison, une villa unique avec salon, chambre et même des toilettes. Elle te plaît, n'est-ce pas? Elle est vendue tout compris, même le locataire de la cave. Ah, tiens, il y a un locataire, on va aller voir. Évidemment, nous n'allons pas la brader. Combien? Je me doutais que ça t'intéresserait. Ceci dit, je me doute aussi que tu n'as pas les moyens de le faire. 300 000 gules, c'est pas donné. Trop cher pour toi, alors oust. Bon, c'est vrai que on n'a pas assez de finances pour ça maintenant. Ceci dit, allons dire bonjour au locataire. Ce loyer me tue. Bonjour, je suis le locataire. Enchanté. Sur ce, si tu veux bien m'excuser, bonne nuit. D'accord. Protéines. Oh, mes derniers biens, tu peux te servir. Point motorisé, c'est bien ça. Bague de Wheeler. Ah tiens, c'est quoi ça? Oui, je m'en souviens. C'est pour annuler les attaques de feu, évidemment. Ça nous sera très utile. Dis-moi, tu n'en as pas marre? Non, ça va, ou... Marre de quoi? J'en ai marre de ce vent froid qui refroidit même ma voix. J'en ai marre de ce soleil qui n'attire que les corneilles. J'en ai marre de ces touristes qui sont parfois djihadistes. J'en ai marre d'en avoir marre aussi. Oh, merci pour la chanson, madame. Bonjour. Vous boire gros beaucoup? Bon, moi apportez-vous après. Une dame qui parle pas encore bien la langue, c'est bien. Elle essaye
de travailler pour s'intégrer, gagner sa vie, c'est très bien. Soutenons-la. Bienvenue à Le Rickenbar, moule frite à volonté. Je ne supporte pas ce vent frais. Et après, je vais aller sauver le monde. Oui, monsieur. Ah, les gens dans les bars. On trouve parfois des gens très folkloriques. C'est excellent. Ah, voilà Mickey qui dit « Je n'aime pas beaucoup cette ville. Si on se promène tout nu dans la rue, on s'enrhume. » Bonjour madame. Ah, je t'en prie, installe-toi. Mon 150e client de la journée, pas mal. Je t'en supplie, si tu ne m'achètes rien, je ne pourrai pas nouer mes lacets. Vraiment, d'accord. Bracelet de carbone, c'est bien, ça, je vais en prendre deux. Ouais. C'est... Ah, ouais. Et cocktail Molotov, ça peut être utile aussi. Je vais en prendre autant que possible, ou plus, moins, je sais plus. Non, je vais garder mes sous pour plus tard. Ouais, le snowboard est à la mode cette année. Pas étonnant vu ce temps. Nous partons pour le gros suceur. Là-bas, nous allons gagner plein d'argent au combat de catch, puis nous irons faire du snowboard au village Glagla. Ah, bonne chance, messieurs. Tu veux une glace? Pas question, on avait dit pas de cochonnerie. Elle, je crois qu'il faut les suivre si on veut avoir tous leurs dialogues. Tu as raison, après tout, une glace par ce temps. Mais il ne fait jamais plus chaud que ça ici. C'était à prévoir, c'est le nord, comme dirait l'autre. C'est vrai, ah, j'envie les plages du sud. Non, mais ça va pas, ici au moins on est en sécurité. Pas question, on avait dit pas de cochonnerie. Tiens, on dirait qu'elles ont bouclé. Ah, ouais, c'est ça. Tiens, voilà Nana qui joue au ballon. Je viens d'entendre ce gros chien parler comme un humain. Est-ce un mutant ou un croisement entre un chien et un humain? Intéressant, je ne fais pas ça volontairement, vois-tu, ma bouche parle sans que je le veuille. D'accord. 3, 2, 1, c'est quoi la suite déjà? Allez, je vais aller tirer dans le ballon moi aussi. J'aimerais engager une jeune fille svelte pour faire tourner la boutique. Ouais, mais Yuffie est avec moi pour l'instant, donc il n'aura pas. Tralala. Pas besoin de matériel, c'est bon comme ça. Alors là, c'est chez Johnny, je crois. Hein, toi? Oui, c'est bien à toi, monsieur l'ex-soldat, le gourmet si doué avec les barbecues. Alors qu'en vérité, tu n'es qu'un brun de goinfre. Comment tu t'appelles déjà? Claude. Et toi? Claude, quel nom affreux. Enfin, je dis ça, mais je sais que tu n'en peux rien. Moi, c'est Johnny. C'est un nom superbe, tu ne penses pas? Je suis venu changer d'air ici, mais c'est encore pire qu'avant. Excuse-le, il a subi de gros chocs dernièrement, alors il est un peu déprimé. Ah bon, d'accord, merci madame. Il
Les gens d'ici rejettent ceux qui ont des cheveux rouges. Et la météo n'est pas terrible non plus. Vais-je m'en sortir? Eh bien, bonne chance. Tu as tout mon soutien, Johnny. Que dirais-tu d'un liquéfiant en souvenir de ce merveilleux voyage, fait spécialement à Villers-sur-Mer? Oui, un liquéfiant, c'est toujours utile. Bon, j'en prends trois. Normalement, on n'en aura pas vraiment besoin, mais on ne sait jamais. Alors, à l'hôtel, j'y reviendrai plus tard. Ah, il y a Bawette qui est là. Bon, on ira voir plus tard. En attendant, allons à la plage. Vamos a la playa. Oh 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 oh. Hé Claude, regarde là-bas. Qui? Oh oh? Ou ce parasol bleu et blanc? Bon allez, je vais mettre qui? Oh oh? Cet homme, c'est Oh oh. Avec des filles en bikini à côté. On dirait que c'est à la mode d'être geek. Oh non, elles sont toutes moches. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Trop grosse. Note qu'avec un bon régime, possible. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais une glace chocolat melon. Mais où se croit-il? Professeur Oh Oh, ce type bizarre dit qu'il veut une glace. Je suis au téléphone. Mais, tant pis. Non, attends, j'en ai pour une minute. Faut que j'y aille, maman. Oui, grosse bise, toi aussi. Oh oh. Il faut parfois faire ce genre de choses. Que fais-tu? Ça paraît évident, je bronze. Sortirai ta blouse? C'est pour éviter les coups de soleil. Sais-tu où est Zéphicrotte? Non, pourquoi? Voudrait-il jouer avec nous? Jouer? Non, rien, je réfléchissais à mon prochain jeu. N'as-tu jamais eu le sentiment que les jeux vidéo manquaient d'humour? Ou bien qu'obtenir l'édition Day One ne te rendait pas plus heureux pour autant? Ce n'est pas faux, cependant, je doute que tu puisses changer tout ça. Et toi tu en serais capable peut-être? Ex-soldat, hein? Voudrais-tu me servir de cobaye? Oh, ne sois pas si coincé, c'est ce que je disais, aucun sens de l'humour. Claude, non, le meilleur vient parfois du pire. Rappelle-toi, Gollum. Dis-moi, ne serais-tu pas la descendante des Ariens? J'ai été enfermée dans ton laboratoire et tu n'es pas sûr que ce soit moi? Tu as une mauvaise mémoire, Oro. Je m'appelle Hérisson. Tâche de t'en souvenir, pauvre tâche. Je ne me souviens jamais sur laquelle des tâches il y a un accent circonflexe non plus. C'est pas compliqué pourtant. Professeur Oh Oh, si vous souhaitez vraiment bronzer, vous devriez enlever votre blouse. Mais j'avoue qu'avec ce temps... Ouest lointain. Il parle dedans sa barbe, pourtant il n'en a pas. Comment fait-il? Ce n'est qu'une expression. Je crois qu'on l'a perdu là. Il n'enlève jamais sa blouse. Il a sans doute raison. J'aurais dû apporter un gilet moi aussi. Je vais te traduire les murmures du professeur Coco. Red Dead Redemption est un super jeu au Far West. Tu as compris? Moi je n'ai pas tout saisi.
Ça me ferait plaisir d'apparaître dans le prochain jeu du professeur Ho-Ho. Bonne chance. Ouah, allez, j'ai bu la tasse. Si tu pars vers le Mont Coral, je te conseille d'acheter un liquéfiant. Tu sais pourquoi? Pour ne pas te retrouver figé comme une statue mal sculptée. Certains monstres peuvent te pétrifier. Prépare-toi donc avant de partir. Bah oui, alors merci monsieur. J'ai pris des liquéfiants déjà. Bon allez, allons à l'hôtel maintenant. Entrée, ha ha ha. Non, merci. Bienvenue, un peu de repos, c'est 200 gilles la nuit. Non, j'ai changé d'avis. Tu es sûr, je resterai ici à jouer, alors n'hésite pas à repasser si tu changes d'avis. Est-ce qu'on se repose? Bon, oui, allez. Oui. Les lits ont l'air confortables, n'est-ce pas? Malgré Bawette qui monopolise les toilettes, la salle de bain. Bienvenue, un peu de repos, 200 gilles la nuit, je reste. Ok, merci beaucoup. Demain à Villers-sur-Mer, le temps sera venteux une fois de plus. Fait de beaux rêves, pardon, entouré par ce fumée persistant. Bonjour, désolé si ça sent encore mauvais ici. Quelqu'un a pété toute la nuit, je n'ai rien pu faire. Il me semble que tes amis soient déjà partis. Ouf, enfin, tu peux encore les rattraper. Eh ben allons-y alors. Sortons. Et arrêtons-nous là. Bon, alors, dans le PHS, vous me direz si vous voulez que je change les membres, hein, en commentaire. En attendant, moi j'enregistre ici. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si vous la regardez entre Noël et le Nouvel An, le jour où elle va sortir ou peu après, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, que tout aille bien pour vous, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !